Ah, je trouve que cette musique va parfaitement à ce qui est en train de se passer ici. Soulève une espèce de drame total. De retour dans Let's Play. Deuxième partie sur Disruptor avant à 19h. Je vous rappelle de tous se retrouver. Pour m'en passer en tant pis, j'enlèverai ces lunettes à la con qui me donnent un air de rocker. Pour repasser sur les choses un peu plus sérieuses, c'est promis. Mais là. Là, on est face à un problème, hein, quand même. Hein. La Disruptor a mis la barre très très haut. Hein. Très très haut. Hein. Le niveau, c'est l'enfer sur Terre. Va falloir éveiller son cosmos. Donc, je fais appel à Seiya et à tous ses petits amis pour me venir en aide. Parce que c'est pas gagné, Tintin. C'est pas gagné, Tintin. Allez! C'est parti. The prison colony runs along a dry canyon divided by security gates. It goes on forever, so follow the service road. But you may have to look for alternate ways around some of the gates. Donc normalement, je passe le trou là. C'est ça. Donc il faut absolument. Donc j'ai récupéré toute ma vie, ça c'est bien. Par contre, j'ai pas récupéré ma mana. Ça c'est nul. Allez, on y va. C'est parti. J'ai mal. Faut aller là. Je crois. Enfin, je croyais. Allez, bâtard. Ok, donc ça, ça ressemble à un piège. Je crois que ça ressemble à un piège. Je suis pas sûr. Bon après ça ressemble à un piège mais on est quand même bien servi en truc. Maintenant l'astuce c'est que cet ascenseur semble descendre aussi. Et là il descend. Yes. Donc alors. Ça n'a pas l'air d'être la solution de facilité, hein. Mais au moins, ça va m'emmener. Allez, courage, les gars. Ça n'a pas l'air d'être si solide que ça, cette merde, en fait. Ok, donc la première c'est de la merde. Retenez bien les gars, vous notez quelque part, la première c'est de la merde. S'il vous plaît, notez, c'est important. Donc la première base c'est de la merde. Okay. On va essayer de... Je vais essayer d'atteindre la deuxième base du coup. Donc la deuxième base c'est forcément après ça. J'ai compris. On strafe. La deuxième base, ça doit être quelque part par là. Allez, et d'un téléporteur. Pourquoi c'est l'homme le plus fort du monde, lui? Deux téléporteurs, mais toujours pas de trucs qui font mal. Alors attendez, j'ai activé deux téléporteurs. Je sais pas si ça va suffire. Ah si, ça suffit. Bon, par contre, faut se casser vite. Merci. Très bien.
sont forts. Faire un peu de Yves là. Donc alors, essayons de comprendre un peu. Je sais pas comment je retire le real time là. Donc si je vais... d'aller par le truc, c'est que je suis paumé. Ça, le véritable problème, c'est que je suis paumé là. C'est que je sais pas où aller. Hein. On va essayer de foncer comme d'hab. Allez, courage. On essaie d'aller là. Complètement paumé. Je viens de la droite ou je viens de la gauche là? Ouais, je reviens en arrière. Bon, d'accord. On va essayer d'avancer par là. C'est parti. Donc ça, je l'ai fait. Salut, toi. Voilà. Téléporteur. Donc là, je vais par là. Téléporteur. Donc là, je vais par là. Ah ouais, là, je suis clairement pas. Je sais pas ce que c'est que tout ça, mais ça a l'air d'être des ambiances. Je crois qu'il faut que je les tue tous. J'ai pas de vie. Okay. Zoning. Tout en zoning. Je crois que j'ai des tous tués. Je les ai tous tués en effet. Et ça ne s'active pas.
Ah, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, tirer sur eux, pas à côté. Hein. On est à la manette PS1, là, les gars. J'ai rien pour recave la vie. J'ai tout activé, je comprends pas. J'ai tout activé, je comprends pas. On va essayer de foncer dans le... Je sais pas quoi faire. Je sais clairement pas quoi faire. Alors 55% c'est juste le nombre de collectibles que j'ai récupéré dans le jeu. The prison colony runs along a dry canyon divided by security gates. It goes on forever, so follow the service road. But you may have to look for alternate ways around some of the gates. Non, vous en faites pas les lunettes, hein, ça change rien. Donc il me semble que ce bloc servait à rien, c'est ça? Lui c'est MacGyver. Laissez tranquille. Donc là, il n'y a vraiment rien. Et là-bas, il y a un téléporteur. Qu'il faut pas prendre. Tu peux pas prendre. C'est ça, parce qu'il y a un trou ici. C'est ça. Non, s'il te plaît, évite-les. Au moins, évite de prendre les patates dans la gueule. Ensuite, il faut aller dans le renfoncement qui va là, ici. Ah, ok, il est pas mort. L'homme le plus fort du monde. En plus, il m'a changé d'arme, je sais pas pourquoi. Là, j'ai activé un téléporteur. Là, un téléporteur vient de s'activer. J'évite tous les connards. Là, il y a un renfoncement. C'est ça, là, il y a un renfoncement. Fermez-la ! Renfoncement pour sang. Là, c'est Hugo Délire. Je sais pas ce qui m'a touché. Bon, maintenant que j'ai eu le renfoncement. Ils sont morts eux. Parce que je viens de retourner sur mes pas. Parce que le renfoncement, c'est typiquement là où je suis allé juste avant. Parce que je perds le sens de l'orientation dans ce jeu de merde. Très bien. Tout va bien se passer, les gars. Ne paniquez pas. Je comprends rien du niveau. Rien de rien de rien. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Voilà, moitié de la barre. Parfait. 40 sur moi. Ça, je les ai détruits. Voilà. Ça, pas trop le choix.
intéressant. Allez, j'arrive au bout. C'est pas possible. J'ai trop mal. C'est pas vrai. Là, faut m'expliquer ce que je rate. Je comprends rien. J'ai mal. Non, mais je comprends rien. Je comprends rien au niveau. Je comprends rien. Ça sert à rien que j'aille là. Non mais je comprends rien. Je comprends rien. Je comprends rien du tout. Je suis à 21%, je comprends rien. Je comprends pas. Je sais pas. Je comprends pas où je suis, je comprends pas où je dois aller. Je comprends pas le level design. Et là, il faut que je les tue tous avec 21% et la pire arme du jeu. C'est pas gagné. Mais je l'ai pris ça. Je comprends pas où je suis. Putain, c'est violent. Je sais même pas où je suis en fait. C'est le problème, c'est où suis-je. Je sais même pas où je suis. Je comprends pas. Là, j'aimerais comprendre, hein, je vous assure, mais je comprends pas. J'arrive pas à comprendre où je suis, où je vais. Le nombre de téléporteurs activés, pas activés. Il manque le bloc J, me dit Toss Killer. Le bloc J. Alors, comment ça se fait que le bloc... But you may have to look for alternate ways around some of the gates. Donc ça, c'était le bloc qui servait à rien. On est d'accord, hein, bloc I. Ta gueule, toi. Bloc I servait à rien. Maintenant, visiblement, il y a un bloc J quelque part que j'ai pas trouvé. Qui doit être quelque part par là, là-haut, là. Ah, putain, j'ai... Il va sûrement être là, là. Voilà, il est là. Maintenant, comment aller là? Sachant que... Là, ça m'emmène directement... Amène-toi, connard.
Je viens. J'arrive par en bas. J'ai activé les téléporteurs. Le téléporteur me permet de revenir sur mes pas. On est d'accord? Maintenant, il faut que je revienne sur mes pas. Sur la terre ferme. Je crois que c'est ça. Je reviens sur mes pas sur la terre ferme. Je prends le téléporteur. Je vais là. Je reste sur la terre ferme. Je cherche le bloc J. Non, pas du tout. C'est encore planté. Je vais à droite, je descends. Là, j'ai le bloc K. Alors, continuons par là. Voilà, en allant ici. Parfait. Et en allant à droite ici, sur la terre ferme, je vais trouver le bon bloc que je cherche. Voilà, lui. Parfait. Impeccable. Faut mourir, monsieur. Faut vraiment mourir. Okay. Voilà! Très bien. Donc là, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, en sortant, en allant à gauche et en fonçant, je vais retomber sur le téléporteur qui me permet d'aller à gauche ici, de refoncer, de retomber sur un autre téléporteur. Parfait. Et là, il y a les boss de fin. À gauche, là. Donc là, c'est tous ceux que je dois tuer. Oui. Oui. Déjà, on détruit les gros robots derrière. Ça m'empêche de tourner. Faut tuer lui pour prendre mes armes quand même un peu. Sinon, on est mort. Qu'est-ce qu'on vise mal? Tout va bien. Ok. Je les tue tous. Gros Straf Gaming. Verdier Straf Gaming. Ils sont tous morts. Le pro du Straf. J'avance, connard. Et là, c'est la fin. Non. Écoutez, je veux bien être sympa, hein. Mais pourquoi est-ce que je suis pas sorti de là vivant? Putain, faut rester au bout. Nique sa mère. Mission complete. Faut rester au milieu. Yes! Ça y est, je l'ai baisé le jeu. Je l'ai baisé. Faut rester au milieu. La logique. Remember, the orb is the source of psionic power. Krieger knows you're on the way, but the world's depending on you. Allez, le monde dépend de moi, c'est la dernière mission, il y a même plus de cinématique, il y a plus de budget. Start. Il y avait plus de nuvée. T'as fait les niveaux de lave. Les niveaux de lave. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Calmez-vous, hein.
Soyez pas agressif ni méchant. Ok. Ils sont vraiment téléportés, eux? C'est quoi, c'est genre un boss rush? Ok, bon, cette dernière mission semble être complètement bougours. Ça veut pas dire que c'est facile, hein. Ça veut dire que c'est bougours. Tu bourres et puis ça finit par passer quoi. Bah si c'est bien la dernière mission. Bon évidemment je ne suis pas sûr du tout. Étant donné que je n'ai pas la vie chargée à fond. Ce qui est bizarre. C'est la gerbe. C'est la gerbe. C'est la gerbe. Tout va mal. Aïe. C'est vraiment parfait. C'est exactement tout ce que j'avais rêvé. Un vortex de merdier comme je les aime, avec aucune solution. C'est exactement ce que je voulais. Merci, hein, merci de m'offrir ça. Orb is the source of psionic power. Krieger knows you're on the way, but the world's depending on you. Le monde dépend de moi. Et ta sœur, elle bat le beurre. J'essaye de voir si je peux bourrer violemment. Bon, il apparaît que les ennemis sont passés de façon pas trop bête. Oh là là. C'est l'escalade. Cassé. Faut pas aller. Comme ça on sera vachement renseigné pour savoir où aller après. Donc là j'ai fait à peu près tous les endroits où fallait pas aller. Voilà. J'ai fait tous les endroits où fallait pas aller. C'est parfait. On est très bien. Je suis vraiment très content. Remember, the orb is the source of psionic power. Krieger knows you're on the way, but the world's depending on you. Le monde dépend de moi, il paraît. Allez, rien à foutre. Casse-toi. Fais ça. Va niquer ta mère. Donc les deux premières salles, je peux les bourrer.
J'ai mal. C'était là qu'il fallait aller. C'est là qu'il faut aller. Bon, évidemment, hein, c'est catastrophique, hein, on le sait. S'il vous plaît, calmez-vous. Hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh non, mais bon, cassez-vous. Merci. Téléport. Ok, je sais pas où je suis. C'est moi ou ça parle mal là? Je l'ai pas tué. C'est quoi ça? Qui me tire dessus? Allô? Où suis-je? Hein? Quoi? Qui es-tu? Ah bon, ça va être efficace avec ça. Alors c'est où le mid? C'est où le mid? Est-ce que je peux bourrer le boss? Ok, non. En fait, je atterris ici. Là, qui me donne accès à quasiment rien. Non, ta gueule. Et là, il y a boss. Trop dedans, hein. Parfait. Oh, alors attendez, il faut en fait sur les ennemis de merde, il faut que je charge mon mana, c'est pas possible. Typiquement ce que je voulais pas faire. De charger mon mana sur les ennemis de merde. 144. 9 balles. Est-ce que j'ai encore quelques ennemis de merde? Je suis à 115 de mana. Je suis à 115 de mana. Alors la question est, est-ce que je bourre la première phase comme un mongolo?
Ah, je pourrais les faire qu'avec le pouvoir psychique, tu veux dire. C'est vrai que j'aurais peut-être pu me les faire avec que le pouvoir psychique. Et récupérer ma vie après. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Vous avez raison. Une munition, c'est pas ouf. Pensez que c'est quoi qui lui ferait plus mal au boss là? On va essayer, on va essayer. Allez, une première phase, c'est fait. Deuxième phase. Chargeur sur lui. C'était les portes. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort! Je t'ai baisé! Mission complete. Now that free elections have been held. Je suis le champion de Disruptor, j'ai tué le président! Lightstormer forces and keeper of the orb. Ah mmh. Oh, j'emballe la go. Ah bah voilà. Ah, puis je caresse l'orbe. Ah, grosse. Créatif par Insomniac Game. Et voilà les gars, le premier jeu d'Insomniac, c'était Disruptor. Le premier jeu de la trilogie, enfin de la série Insomniac. L'ancêtre de Résistance. Il est là, l'ancêtre de Résistance. Alors maintenant, l'histoire Try Hard Mode et oh. Try Hard Mode, mon cul, hein. Putain, oh là là, l'ancienne, mon gars. À l'ancienne le jeu, hein. Tellement à l'ancienne. Ah, faut bien 5h30 pour terminer le jeu. C'est complètement des monstres de résistance, on est d'accord. C'est complètement des monstres de résistance. Voilà, Insomniac a commencé les jeux vidéo avec, avec ça, hein. Il faut quand même respecter. Ce qui va pouvoir agrémenter la liste de let's play. Alors, ne paniquez pas, c'est normal. S'il n'y a plus de son. Avec PlayStation 1 Disruptor, hein, quand même. Hein. On y est, hein. En dessous. Oh, mais je vais laisser quand même les crédits. Disruptor. Et maintenant, et bien voilà. Go Spyro, du coup. On va continuer cette rétrospective insomniaque avec Spyro. Donc, on va faire Spyro 1, 2, 3. Ensuite, on passera à Ratchet. Ratchet 1, 2, 3. Puis, ça sera Résistance 1, 2, 3. Puis, les Ratchet PS3. Il y en a plus de 3, mais on va en faire 3. Et ensuite, après ça, on va essayer de faire... putain, Ratchet. Là, Spyro, vous savez que Spyro, je les ai jamais fait de ma vie. Une note pour le jeu. Il faut donner une note. Il y a des gens qui sont super habitués à ce genre de jeu. Tu sais, les Duke Nukem 3D-like, Doom-like, comme ça.
Le jeu est pas ouf, hein. Le jeu est pas ouf, mais les mécaniques sont assez intéressantes. Regardez, Naughty Dog est dans les Special Tanks. Vous avez vu? Ah, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Moi, j'hésite entre 2 et 2,5 pour le jeu. Sincèrement. Entre 2 et 2,5. Pour Disruptor. Attendez. Hop, hop. Passe ça là. Voilà. Disruptor. Putain, j'ai fini Disruptor, j'arrive pas à y croire. Tac, tac. Mais non, mais putain, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui me fait le jeu là? Contrôle 1, PS1. Parfait. Disruptor. Ah ça, avoir fini Disruptor dans sa vie, c'est un achievement. FPS, hein, complètement FPS. Hein. Complètement FPS le jeu, je l'ai pas fait à 100%. Bon, faut une note. 2, 2, pour vous ça vaut 2, 2,5. Je sais pas, bon, c'est pas mes games, hein, c'est sûr. Et mettre 3 au jeu, ce serait insulter The Last of Us. Mais attention, hein, le jeu est plutôt beau. Bon, la bande-son est tachée. Bon, je kiffe, hein, les cinématiques. Elles sont pas mal, hein, les scènes d'entre-machin. Bon, on sent qu'il y avait 3-4... Il y avait 3 euros de budget et c'est fait dans les décors de Gaming Live. Non, j'ai envie de mettre comme Jack X. Le jeu, il m'a fait le même sentiment que Jack X. Ouais, quoique. Jack X, j'ai mis 2,5 hein, quand même. Ouais, c'est comme Jack X. C'est un petit jeu indé, quoi. Alors, je vais mettre 2,5. C'est pas... Il est pas nul, le jeu. Hein, c'est pas une daube. Celui, le jeu n'a pas... Si j'ai pas glitché dans les murs... finalement, je savais très bien où me déplacer. 16 sur 20 à vide lecteur. Ouais, tu vois, le jeu, c'est pas une daube, c'est bien ce que je dis. Hein. C'est pas une daube, hein. C'est pas une daube. Hein. 16 sur 20, ça m'étonne pas. Hein. Bon, moi, c'est pas trop mon genre, tu vois, le... Tu vois, mais faut compter que 2 sur 5, 2,5 sur 5 pour Disruptor, c'est une meilleure note que 2,5 sur 5 pour Jack X. Puisque Jack X, c'est un jeu de course des jeux que j'apprécie un peu plus, quoi. Donc, non, ça le fait 2,5. Gros 2,5 pour Disruptor. Incroyable mais vrai. Il est là. Disruptor 2,5. Et on va continuer, hein. Ça va continuer la liste de tout ça. Non, 3 les mecs, ce 3 c'est abusé. 3 c'est abusé. Mais Insomniac, hein, Insomniac. Allez, on peut retirer ses lunettes à la con qui me donne un air de kéké. Voilà, 2,5 select. C'est ça. On a tellement envie d'y retourner. Alors notez qu'à mon avis, les passwords doivent te donner accès à des cheat codes. Il y a peut-être des cheat codes. Ouais. Allons voir GameFAQs. Maintenant que j'ai terminé le jeu, j'ai le droit. GameFAQs. Alors que donne GameFAQs sur Disruptor? Disruptor. Ah, cheat code de Disruptor. Voilà, regardez. During gameplay, go to the map screen and turn real time off. Mais je sais pas comment on fait turn real time off. Then press circle circle square circle triangle x x circle. Toutes les armes full heal while pause hold select then press. Putain, c'est abusé. C'est genre méga abusé. Ça marche, hein. Attendez. Bougez pas, alors on va s'amuser. Qu'est-ce que je... Ouais, new game. C'est ça, en empty, en hard. Avec un... On va me donner un nom à la con. Bougez pas. On est sur le full jeu, là. Ça rigole pas. On va s'appeler Triche. Voilà. Le T. Ah. J'essaie tout, hein. Il faut savoir, ça sera, ce jeu sera exhaustif. Notez qu'il y a un 100% pas trop mal, hein, aussi, hein, dans le jeu. Je pense que si tu maîtrises bien les mécaniques de jeu, le jeu, tu peux être invincible. Le speedrun, à mon avis, est intéressant. Mais tous ces jeux-là, les speedruns sont assez intéressants. Et c'est d'autant plus intéressant que le speedrun doit être effectué avec une manette de PlayStation 1. Je vais m'appeler Triche en hard mode. Bougez pas. Bon, les cinématiques qu'on a vues, hein, je vais les passer. Ouais, ta gueule.
Donc là, on va voir. Wild Pose, Hold Select, Zen Press. Putain, mais ça a l'air abusé. Ah, ça a l'air compliqué quand même. Ça a l'air très compliqué. Hein. While posed, hold select, then press L1. Carré, triangle, carré, carré, rond, triangle. C'est compliqué. Ça y est. J'ai réussi, là je suis activé. Alors, L1. Carré, triangle, carré, carré, rond, triangle. Ça a complètement pas marché! Comment je retire le real time là? Ah ça y est, je l'ai retiré. Alors attendez, parce qu'il y a d'autres trucs qui peuvent être cool. Alors, during gameplay, go to map screen, then real time off, then press. Circle, circle, rond, carré, rond, triangle, rond, carré, rond, triangle, x, x, rond. Là, normalement, ça a marché. J'ai entendu un bruit. J'ai complètement entendu un bruit. Oh, je suis invincible. Ah, ça marche. Ah, c'est extraordinaire. Ah bah voilà, ça va être facile. Oh, bah, une formalité, le hard mode. Une formalité, ce hard mode. Une formalité absolue. Alors peut-être que le all weapon fonctionne pas. Wild pose. Hot select. Alors là, c'est plus compliqué. L1. Carré, triangle. Carré, carré, rond, triangle. Ok, complètement raté. L1. Carré, triangle. Carré, carré, rond, triangle. Ça marche pas! Ça marche complètement pas, hein. C'est de la merde! L'invincibilité marche en revanche. Mais les autres codes fonctionnent pas. Après, tu t'en bats les couilles, t'es invincible. Là, les autres codes, ça fonctionne pas. Hein. Ouais, je maintiens select. Non, mais regarde, quand tu es sur pause. Maintien select, ah oui, attends. Ah voilà, peut-être sur le son volume, là ça a peut-être marché là. Attendez. L1. Square, triangle, square, square, circle, square, circle. Non, ça marche pas. Ça marche pas, le code marche pas. Mais je pense que le real time change rien, il me semble. Ah ouais, c'est ça qu'il fallait que je fasse pour voir toute la map. Ça, ça m'aurait pu me servir, tu vois. Ça marche pas. Le code marche pas. Je vais voir maximum ammo. Press. Alors, hold select. L1. Croix, carré, triangle, triangle, croix, rond, triangle, croix. Non, ça marche pas non plus. C'est de la merde. Et les codes, c'est de la merde. C'est de la merde, les codes. Mais on s'en fout. Oh, je m'en fous, je suis invincible. Alors après, peut-être que justement, la première mission, ça peut pas fonctionner. C'est possible que la première mission, ça fonctionne pas. Putain, j'ai confondu ces machins-là avec... Ah ouais, en hard, il y a quand même beaucoup plus d'ennemis. Putain, je suis tellement mouteki. Oh, je peux finir le mode hard à 100% comme ça. 100% avec un code triche. Est-ce que c'est validé le 100% si tu utilises un code triche? Dites-moi. Je suis pas sûr, hein, quand même. Hein. Je suis pas sûr qu'officiellement, ça valide. Est-ce que ça valide ou ça valide pas? A vous de me dire, hein, moi je ne suis qu'un spectateur. Hein.
Spiro. Non, demain. Demain, c'est la... c'est le salon de l'auto. Demain, il n'y a rien. Mais ouais, Spiro commence bientôt, du coup. Bah, on n'a qu'à dire lundi prochain. Lundi prochain, c'est pas encore la GUTV. Le nombre de merde qu'il y a, c'est hallucinant. J'en ai tellement rien à foutre. Je suis tellement invincible. Watashiwamu Tekida. Watashiwamu Tekida. Muteki, Muteki. Muteki, Muteki. Muteki, Muteki. Tashiwamu Tekida. Ah, grosse mission quand même, hein. Ouais, là, il n'y a même pas les pouvoirs psychiques. À mon avis, les codes marchent. Mais du coup, peut-être pas là, parce que... bah ouais, c'est la première mission d'essai, en fait. On va juste terminer, on va voir. Voir ce que ça me fait. Si je valide le 100%. Parce que là, théoriquement, je récupère pas les... je récupère pas les trucs d'armes. Blabla, c'est bon. Téléporteur. Ah, lui, il était pas là avant. Ah, téléporteur. Est-ce que je fais le 100%? Ah non, même pas. Ah, merde. Ah ouais, bah du coup, le... tu peux pas 100% quand t'es invincible. C'est impossible, je crois. Parce que du coup, tu récupères pas la Yves. Quel dommage. Vraiment, quel dommage. Pourtant, c'était un grand jeu, hein. C'était un grand jeu, mais voilà, Disruptor nous quitte. Disruptor nous quitte, non sans une grande tristesse, je dois bien vous avouer. On va faire une pause et on se retrouve du coup dans quelques instants pour Meurs pas sans ton pif, KOF, Guilty et l'ESL Brooklyn au programme de ce Meurs pas sans ton pif. C'est dans quelques instants. Restez avec nous, évidemment, branchés sur Gaming Live, la hype continue. Spiro, bah du coup Spiro Spiro lundi. Ah non, peut-être Spiro vendredi. Spiro peut-être vendredi. Je vous dis, en tout cas, prochain jeu Spiro 1, et ce sera le jeu US de la version PS3 PS classique, qui est à l'intérieur de ma PS3, qui est actuellement dans ma chambre.